Le M1A1 est l'une des nombreuses versions de la mitraillette Thompson. Introduit pour la première fois en 1942, le M1A1 était une version réduite et moins coûteuse du modèle M1928, très apprécié des gangsters et déjà utilisé dans une moindre mesure avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La Thompson M1A1 était une arme populaire parmi les soldats d'infanterie, les parachutistes et les forces spéciales. Le Tommy était une arme à feu automatique de calibre 45, alimentée par un chargeur amovible de 30 cartouches. La mitraillette était une arme d'assaut de par sa conception. Ses performances étaient impressionnantes dans les batailles urbaines et pour le nettoyage des tranchées. Sa bonne cadence de tir permettait également d'assurer un bon soutien en matière de tir de suppression. C'est pourquoi la mitraillette Thompson était extrêmement fiable et qu'elle est devenue l'une des armes préférées des soldats américains. Sa polyvalence et sa puissance en ont fait l'une des armes les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale.